un vêtement blanc, lui a besoin un beau balai, une couronne, la sainte joie, le vrai trésor, mon sauveur me les donne. Jésus est mon sauveur, il m'a condamné, payé ma dette sur le calvaire. Il a dans son grand amour nous sauver. C'est vrai, nous marchons tout joyeux vers le ciel. Notre joie, qu'est-ce qui fait notre joie? C'est la parole de Dieu. C'est l'appui que le Seigneur nous donne. Vous voyez, notre Dieu est différent des autres dieux. Amen. Notre Dieu n'est pas comme les dieux des nations. Le Dieu d'Israël est d'une entité à part. Il n'y a pas deux dieux supérieurs. Il est l'unique et le véritable. Amen. Alors, quand nous venons et que nous regardons ces choses qui se passent, nous pouvons être dans la joie. Parce que, à quoi bon d'aller adorer Dieu et puis ne pas être certain de où on va ou bien de ce à quoi on aspire? Parce que le Dieu lui-même que les hommes suivent est un peu litigieux, il est confus. On ne comprend rien. Mais notre Dieu, il nous a donné des exemples. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est parce qu'autrefois il a fait. Alors il a des témoignages. Des êtres humains qui ont été comme nous, qui ont vécu pareillement à nous, qui ont expérimenté ce Dieu-là, et qui ont triomphé, et qui aussi sont en attente de la promesse de Dieu, comme nous, aujourd'hui nous aspirons à cette promesse. Nous allons continuer nos Bibles, et nous allons continuer dans cet enseignement. C'est vrai que c'est très lent. Nous avançons petit à petit. Mais notre but, c'est que les frères puissent cerner la volonté de Dieu, le contour réellement du dessein de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous sommes ici parce que nous désirons partir au ciel. Nous sommes ici parce que là où nous partons, nous savons où nous partons. Le Dieu que nous adorons, nous le connaissons. Nous savons quel est ce Dieu que nous adorons. Il y a des personnes qui vont aujourd'hui adorer les images, des statues, sans comprendre la raison pour laquelle ils le font. Elles le font. Elles adorent de manière aveugle. Mais nous, notre Dieu s'est fait connaître à nous. Nous l'adorons parce que nous le connaissons. Comme David pouvait dire à Salomon, son fils, connais le Dieu de tes pères, pour ne pas que tu puisses adorer de manière aveugle. Alléluia. Nous allons lire Daniel et poursuivre toujours dans notre sujet. Daniel le chapitre 2. Nous allons continuer l'histoire de Daniel par rapport à ce songe que le roi Nebuchadnezzar avait eu. Le verset 19. Nous allons lire le verset 19, le verset 30. Daniel, chapitre 2, à partir du verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence, et révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force,
et de ce que tu as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Alléluia. Amen. Donc ce sont des proclamations, des acclamations que Dieu, Daniel, fait à son Dieu. Il bénit le nom de son Dieu. Il le loue, il le célèbre. Pourquoi? Parce que ce qui était caché, Dieu leur a révélé cela. J'ai dit Dieu leur a révélé parce que Daniel a eu un soutien. Le soutien de ses frères. Quand nous sommes frères, une action qui est posée par un frère est l'action de tous les frères. C'est la solidarité de la foi. L'amour est uni. L'amour est dans l'union. Mais s'il n'y a pas d'or, l'amour ne saurait subsister. Si Dieu a donné l'amour, c'est pour les hommes qu'il a créé l'amour. Alors quand il y a une situation de misère qui se crée, dans l'amour, les frères soutiennent les uns et les autres. Alléluia. Et Dieu se fait connaître afin de dévoiler ce qui est caché. Et ce qui est caché, quand Dieu le dévoile, Dieu ne dévoile pas cela à tous en même temps. C'est pourquoi l'orgueil n'est pas du commun des voyants. Oui. Quand l'orgueil est du commun des croyants, quand l'orgueil s'installe au milieu des croyants, qu'est-ce qui se passe? Tel frère voudrait réellement être spécial. L'autre aussi se lève aussi, il voudrait être à part. Celui-là voudrait que Dieu passe par lui. Et tel voudrait aussi que Dieu passe par lui. Alors qu'est-ce que ça crée? Des jalousies et des conflits. Pourquoi? Parce que l'esprit diabolique y est entré. Le premier orgueilleux dans le monde, dans la création du monde, a été Lucifer. Donc cet esprit n'est pas un esprit qui doit résider dans le sein des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, priant pour lui-même, va prier pour son frère, afin qu'il puisse s'épanouir et que ce que Dieu a caché en lui puisse servir à l'utilité de tout le monde. C'est cela l'amour de Dieu. Quand on comprend cela, alors cela démontre que réellement nous sommes de lui et que nous marchons tout droit pour le ciel. Notre âge doit être ce milieu d'âge où l'amour fraternel est une réalité. Le Seigneur parle de l'amitié fraternelle. Ou quand un frère voit un autre frère, il sait qu'il dépend de l'autre et que l'autre dépend de lui. Quand un frère voit son frère, il sait que son frère a besoin de sa main tendue et lui, il a besoin de la main tendue de son frère. Nous savons que la solidarité est une chose importante au sein de la maison de Dieu. Et quand Dieu révèle le secret à un, tout le monde est content parce que c'est pour tout le monde que Dieu a été. Dieu a révélé son secret. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Meshach, Abednego, alléluia. C'est comme c'est cela, hein? Azaria, chose comment on appelle ça, Mishkaël, c'est cela, non? N'est-ce pas? Et Anania, on soutenu Daniel, en prière. Eux, ils savaient que Daniel était le prophète que Dieu a établi. C'était une des pour eux de savoir que Dieu a passé telle chose à son frère qu'il ne pouvait pas toucher et que eux aussi, ils auraient place à eux. Quand l'humilité vient ici, Satan ne peut pas venir s'adresser à jouer au milieu du peuple de Dieu. Et la bénédiction est pour tout le monde. Alléluia. Et le ciel est réjoui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur s'est révélé à Daniel. Oui, frère, tu dis, et puis nous allons revenir là-dessus. Verset 19. Nous allons lire le tour dans le verset 19. Verset 24. Ouais. Verset 24 de Daniel chapitre 2. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Ashok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Ashok conduisit promptement Daniel devant le roi. Et lui parla ainsi, j'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, quand nommer des châtards, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit,
Ce que le roi du monde est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Alléluia! Vous comprenez pourquoi il dit notre Dieu? Nous devons être de la joie parce que nous marchons par le ciel. Notre Dieu est différent. Il ne ressemble pas aux autres dieux. Alléluia! Il y a dans le ciel, dans les cieux, un Dieu qui révèle les secrets. C'est le Dieu d'Abraham. Amen. Puis le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Alléluia! Le Dieu d'Israël. Mais quand on voit Jacob, c'est Israël. Hein? Alléluia! Mais quand le Dieu parle là d'Israël, il s'agit de 12 tribus. Des 12 patriarches. Donc, on peut citer Israël deux fois. Jacob, c'est l'homme. Alléluia! Celui-là qui a été, qui a reçu plus tard le nom d'Israël. Mais Israël, c'est le peuple. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Dieu de Jacob, ça c'est l'homme. Alléluia! Celui-là qui a supplanté Esaü et qui a pris la bénédiction. Et le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de 12 patriarches, de tout le peuple d'Israël. Il est le Dieu des 12 apôtres, des patriarches de l'Église. Alléluia! Il est notre Dieu vivant, le Dieu des 7 messagers. C'est le même, il a été dans sa continuité. Il a voyagé dans le temps sans changer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il restera toujours le même. Alléluia. Amen. Et à ce Dieu-là, la révélation de son nom nous a été donnée, c'est le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est lui notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui s'est révélé à Abraham. C'est lui qui s'est révélé à Isaac. C'est lui qui s'est révélé à Israël. Et dans le dernier temps, qui s'est révélé en nous. Alléluia. Amen. Donc, quand on lit l'histoire, comme nous voyons, Daniel, après la prière avec ses frères, ses trois frères, Dieu est venu à lui. Mais Dieu a donné la promesse. Le Seigneur, là, il regarde à sa parole. Quand tu te tiens dans la parole pour agir, alors le Seigneur est obligé d'être avec toi. Le Seigneur de sa parole a révélé ces choses. Chacun connaissait sa position. Dans Deutéronome 29, le verset 29, nous avons lu cela. Le Seigneur a dit quelque chose. C'est très important. Alléluia. Amen. Donc à chaque époque, à des époques bien déterminées, le Seigneur fait certaines choses incompréhensibles aux yeux des hommes, mais qui sont aussi une réalité. Le verset 29, Deutéronome 29, le verset 29. Deutéronome 29, verset 29. Oui. Les choses cachées sont à l'Éternel. Alors, les choses qui sont cachées sont à l'Éternel. N'est-ce pas? Amen. Les mystères, on ne parle pas des choses cachées, ce sont les mystères. Ce qui est mystérieux appartient à Dieu. C'est pourquoi le roi, sur la terre, dans un royaume, est un peu le digne représentant de Dieu. Parce que c'est lui qui commande, c'est lui qui dirige. Quand il dirige selon Dieu, alors tout se passe bien. Tel que les David sont dirigés selon Dieu, tel que les Salomon sont marchés selon Dieu. Mais quand le roi pense qu'il est au-dessus de Dieu et qu'il ne veut pas reconnaître ce Dieu, alors il fait de n'importe quoi. Et nous allons voir, c'est lui qui établit les rois et c'est lui qui les enlève. Alléluia. Ça veut dire qu'en réalité, ces petits rois qui sont sur la terre, c'est lui qui est le roi. Il est le roi des rois, raison pour laquelle ce nom lui a été donné. Tout roi doit pouvoir réellement exercer au travers de lui, le roi suprême. Mais quand le roi ne veut pas le reconnaître, alors c'est en ce moment qu'il y a problème. Alors il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, à notre Dieu, à notre Seigneur. Vous voyez? Mais les choses de l'Éternel, quand il les dévoile, il les prend de son secret et il les amène à la lumière. Alléluia.
Alléluia. Il est dit, il doit, vous voyez, dans le mystère, et il est dévoile à la lumière pour que tous les enfants de Dieu puissent voir et comprendre ces choses-là. Et quand il est réveillé, alléluia, les choses réveillées sont à nous, à nos enfants à perpétuité, pour toujours. Ça va dans le temps, dans la continuité. Pour dire, quand il y a une chose qui est mystérieuse, si Dieu dit que la chose est mystérieuse et qu'elle n'est pas du commun des hommes, les signes, ce qui est mystérieux et qui n'est pas du commun des hommes, là où il se trouve. Amen. Dieu dit à l'avènement du Fils de Dieu, Fils de l'homme, personne ne sera ni le jour ni l'heure, même les anges, ni même le Fils de Dieu, alléluia. Amen. Mais le Père se laisse seul. Mais il y a des hommes qui ont la démangeaison. On ne sait pas ce qui les prend. Ils ont une telle démangeaison qu'ils veulent même entrer dans le secret de Dieu, alors que c'est impossible de connaître cela. Amen. Laissez ce qu'il y a à Dieu. Amen. Mais il y a des choses que Dieu a tenues pour mystère et qu'il a décidé de dévoiler à la fin. Et ça, c'est pour nous. Alléluia. Amen. Alors, il dit, lorsqu'il les révèle, cela est pour nous, pour nos enfants, en perpétuité. Afin que nous les mettions en pratique, nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Quand Dieu le fait, Dieu ne le fait pas parce qu'il est content, il a envie de le faire. Dieu ne pose pas un âge de demander à sa deur. Oui, c'est l'homme, quand il pose un âge, il le pose de manière intéressée, de manière calculée. L'homme est intéressé. L'homme ne fait rien pour rien. Mais Dieu, quand il le fait, c'est de manière désintéressée. Dieu le fait pour le bien de tout le monde. Amen. Pour le bien de ses enfants. Alléluia. Et quand il le fait, c'est pas un objectif. Ramener les enfants de Dieu à ce qui est utile, à ce qui est divin, à ce qui est précieux. Donc quand Dieu dévoile quelque chose, c'est dans le but d'amener les enfants de Dieu à obéir à la parole. Le message est du temps de la fin. Ce qui a été renversé a été restauré. Ce qui est mystérieux a été dévoilé. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a fait, c'est pourquoi? Dieu a révélé l'Apocalypse, pourquoi? Pour que nous puissions davantage nous rapprocher de Dieu et de sa parole. Pour que nous puissions davantage être remplis de crainte dans son nom et marcher dans ses voies. Alors, ceux qui n'ont pas compris, font réellement d'une manière, d'une belle manière de vie. Vous voyez, ils prennent ces choses-là et ils en font une gloire inutile. Ils se glorifient. Ils parlent des mystères, sans se rapprocher de Dieu. Mais quand Dieu donne les mystères, il faudrait que ceux-là qui reçoivent les mystères de Dieu se rapprochent davantage de lui. Amen. Et lui obéissent. Amen. Et c'est cela. Alors le Seigneur encore révèle toujours dans le livre d'Amos, le chapitre 3, le verset 7. C'est le système de Dieu. On ne peut pas changer cela. C'est pourquoi tous ceux qui sont en train de tourner tournent en rond. Parce qu'ils ne veulent pas revenir au système établi par Dieu. Dieu a tracé un chemin, une voie. Afin que tous puissent y passer. Tous ceux qui vont se détourner de la voie, du chemin tracé par Dieu, vont échouer. Et le chemin tracé par Dieu, c'est toujours par le moyen d'un prophète, d'un messager. Le Seigneur ne fait rien en vain. Alors il se saisit d'un homme. Un homme peu considéré. Un homme qui n'a pas une grande utilité aux yeux des nations, aux yeux des hommes. Un homme qui n'est pas assez important. Dieu l'utilise et Dieu montre la voie à tout le monde. Maintenant, comme les hommes aiment être orgueilleux, les hommes aiment être avoir ce qui est hautain, ce qui est élevé, alors ce qui est humble leur échappe. Et pour finir, ils périssent parce qu'ils n'arrivent pas à découvrir le chemin qui est tracé par Dieu. Oui, frère, Amos 3, le verset 7. Amos chapitre 3, verset 7. Oui. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel, il ne fait rien. Dieu ne peut rien faire. Bien-aimé, dans ton âge, dans chaque âge, Dieu ne fera rien pour les hommes si ce n'est pas son prophète. Mais il faudrait que les hommes comprennent. Dieu n'est pas dans le désordre. Parce que quand il va révéler
son secret à plusieurs personnes à la fois, il refuse ce type d'interprétation. Mais alors il s'est choisi un homme à qui il donne son conseil, son secret, son message. Alléluia. Et le message est ainsi communiqué, le conseil de Dieu est donné, l'interprétation unique est donnée, afin que tout le monde puisse suivre cela. Il n'y a pas de texte. Le messager est le pasteur de l'âge. C'est le conducteur du troupeau de son âge. C'est pourquoi tous ceux qui ne croient pas au prophète vont se garder loin de la vérité. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret, son mystère, alléluia, à son serviteur, à ses serviteurs, les prophètes. Dans d'autres passages, on parle d'esclaves. Alléluia. Et c'est ainsi. Les Azaria, les Anania, les Michaël savaient cela. Ils savaient que Dieu ne pouvait pas les parler à eux tous en même temps. Que Dieu ne pouvait pas dévoiler le secret à eux tous en même temps. Mais que Dieu avait choisi un homme, Daniel, pour le temps. Et c'est à Daniel que le conseil de Dieu devait venir. Et c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont soutenu. Ils l'ont assisté par leur prière. Ils étaient sincères. Ils étaient heureux de cela. Ils étaient fiers de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils étaient, vous voyez, heureux de ne pas voir la division s'installer au milieu d'eux. Parce qu'ils savaient que autant Daniel avait besoin d'eux, que eux aussi ils avaient besoin de Daniel. Amen. Mais quand on est dispersé, quand chacun veut faire pour lui, quand chacun veut se montrer, alors c'est ainsi que la ruine rentre au sein du peuple et le désarroi vient. Et le jugement de Dieu est infernal vis-à-vis de ces personnes. Mais s'ils avaient fait cela, la mort n'allait pas les rater. Oui. Parce que les sages qu'on cherchait à tuer là, on allait les tuer aussi. Mais ils ont juste regardé le but de Dieu. Et c'était d'autant plus capital qu'il ne s'agit pas d'histoire de jeunes de vie humaine. C'est l'histoire de l'humanité qui était bâtie dans cela. La vision de Nebuchadnezzar était réellement un mystère. Un mystère qui peut être révélé et qui allait servir aux précieux fils et filles de Dieu pour demain, pour plus tard. Si Daniel avait été orgueilleux, il avait été autre chose. Si ses frères avaient été autre chose, aujourd'hui, là, nous, là, on n'en a même plus pas parlé de nous. Bon, regardez, les boucs, les saints, ça colère. Mais il ne s'agissait pas de cela. Il s'agissait du plan de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi Daniel a dit, alléluia. Nous allons y revenir encore dans le livre de Daniel. Il faudrait que nous comprenions ces choses-là. Parce que c'est important. Ne pas connaître le fond du semaine de Daniel, ne pas savoir ce que Dieu est en train de faire. Si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire, tu ne sauras pas où te situer. C'est important. Alléluia. Parce que le dernier empire relève du temps dans lequel nous sommes et du temps qui va venir. Oui, frère. Nous allons lire à partir du verset 28. Oui. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche. Verset 29. Oui. Sur ta couche, ô roi, il t'a monté des pensées touchantes, ce qui sera après ce temps-ci et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Donc, sur ta couche, oh roi, Daniel, homme de Dieu, prophète, il était respectueux. Alléluia. Il était humble. Oui. Il était bien éduqué. Et c'est le temps de Dieu est bien éduqué. Il respectait le roi. Mais aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, on ne sait pas comment ils sont. Il y a une race de serviteurs de Dieu qui passe tout le temps à haïr le pouvoir, le président qui a été établi par Dieu d'une manière permissive. Oui. Mais les serviteurs de Dieu ont du respect pour ce que Dieu établit. Il n'existe pas de pouvoir qui n'ait été établi sans Dieu. Amen. C'est écrit. Quand il y a un roi, il faut le respecter en tant que tel. Amen.
Mais les enfants de Dieu, on les voit aujourd'hui, des types d'enfants de Dieu. Quand le président passe, dans leur cœur, il y a un sentiment, vous voyez, de haine qui se passe. Ils doivent se mettre en genoux jusqu'à ce que ce sentiment-là, ça n'aille. Nous sommes là pour nous mirer dans la parole de Dieu. Amen. Nous sommes là pour plaire à Dieu. Amen. Nous voulons que la parole de Dieu s'installe à l'intérieur de nous. Oh, là où il y a la parole de Dieu à l'intérieur de nous, la haine n'a pas sa place. Amen. Nous comprenons les hommes, mais les hommes, eux, ils ne peuvent pas nous comprendre. Un homme peut être très mal placé, peut être très mal bâti, peut être dans un comportement très ignoble. Mais nous, chrétiens, nous devons avoir pitié de lui et prier pour lui et le soutenir. Et laisser Dieu lui-même décider de son jugement ou pas. Amen. Mais les enfants de Dieu, les soi-disant enfants de Dieu le disent, ce sont eux qui décident. Ils passent leur temps à maudire le roi. Or, c'est écrit « Malheur à quiconque maudit le roi ». C'est écrit. Nous sommes là pour vous interpeller, bien-aimés, à marcher de la manière juste et digne de Dieu. Ce que nos prédécesseurs ont fait, c'est ce que nous vous enseignons. Un enfant de Dieu n'est pas un soi-disant enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne l'es pas. Chrétien catholique, chrétien baptiste, c'est où on a vu cela? Ça, ce sont des chrétiens bâtards. Le vrai chrétien, il est un chrétien selon la parole de Dieu. Amen. C'est parce qu'il vit la parole de Dieu, le conseil de Dieu qu'il est chrétien. Amen. Le Seigneur n'a pas donné de dénomination à un chrétien. Amen. Il appelle les chrétiens parce qu'il vit la Bible, parce qu'il croit à la parole de Dieu. Amen. Oh, bien-aimé. Eh, Daniel, regardez cela. Il dit, oh, roi. Alléluia. Amen. Vous connaissez cela? Sur la touche, oh, roi. Il a montré des pensées touchant ce qui sera après toi. Après ce temps-ci. Ce qui sera après ce temps-ci. Non seulement cela concerne notre présent, mais aussi le futur. Après le temps dans lequel nous sommes, cette histoire qui a été montrée n'est pas pour toi seulement au roi. Cela va au-delà de la période de ta vie. Vous voyez? Mais pourtant, c'est un païen que Dieu a révélé ça. C'est le songe que Dieu a dévoilé à un païen, à un roi, ne vous connaissez pas. Et là, il continue, il dit, et celui qui révèle les secrets, tant que connaître ce qui arrivera, ce qui va arriver dans le futur. Mais est-ce qu'en réalité, c'est à Nebuchadnezzar que ça a été montré? Mais c'est aux enfants de Dieu. C'est à nous. Alléluia. C'est pourquoi quand on lit la fin du livre de Daniel, le Seigneur a dit à Daniel que ces choses-là de garder secret jusqu'à ce que réellement cela parvienne à la fin des temps. Tu crois que c'est cela? Nous allons essayer un peu de lire ça. Daniel 12. Daniel chapitre 12, à partir du verset 2. Comment ça va être verset 2 pour qu'on voit un peu? En ce temps-là, c'est Lebéra, Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, Dieu a montré à Daniel ce qui sera la fin. Alléluia. Dieu a parlé à Daniel en lui révélant même le jugement dernier. Daniel a vu toutes ces choses. Oui, frère. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Oui. Les uns pour la vie éternelle. Oui. Et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc il y a deux cas. Quand on voit le comédien là, il vient, il dit il y a deux cas, il y a deux cas. Ici aussi il y a deux cas, il y a deux camps. La vie éternelle ou le l'opprobre éternel. Le mensonge de Satan. Il est parlé d'un gigoton quelque part.
Vous voyez, et le diable est en train de séduire les hommes parce qu'ils ne disent pas ce que Dieu dit. Mais les Écritures sont là. Sondez les Écritures. Notre Dieu de gloire a donné sa parole et il a demandé aux hommes de ne pas ajouter et de ne pas retrancher. Mais les hommes dans la démangeaison vont et cherchent d'autres choses pour ajouter à la parole de Dieu. D'autres dans la démangeaison vont retrancher. C'est eux qui trouvent bien de la discrimination en Dieu. On dit maintenant là où on parle de ténèbres, là où on parle de noir, on va enlever maintenant pour créer une autre Bible parce que ça touche au noir, ça humilie les noirs. C'est pas bon. Bien aimé, quelque chose peut être noir et puis à l'intérieur peut être bon. Les mystères, ça quitte dans le noir et puis ça apparaît au jour et puis c'est glorieux. Comme quelque chose peut être très blanc et puis à l'intérieur ça peut être pourri. Alléluia. C'est pourquoi on voit les tombeaux qui sont blanchis, à l'extérieur, c'est tellement bien nettoyé, bien décoré, mais quand vous rentrez là-dedans, vous ne pouvez plus respirer parce que tout est pourri. Ce sont des pourrissements d'ossements. La Bible n'est pas venue réellement pour pouvoir cibler les noirs et les blancs. La Bible s'adresse aux êtres humains. Amen. Puisses-tu être noir ou blanc, ou jaune ou je ne sais quoi, petit, grand, gros ou bien comment? Aussi longtemps que le sang coule dans toi, la parole de Dieu la s'adresse à toi. Amen. Et là, c'est les deux cas. Il y a un groupe qui est appelé pour l'opprobre éternel. Et il y a un autre groupe qui est appelé à la vie éternelle. Maintenant, il y a les conditions qui accompagnent cela. Et les conditions sont mises au devant de tous. Tu as un choix. Tu acceptes le choix facile. Tu vis ta mondanité. Tu vis comme tu veux, tu es libre, mais tu dois t'attendre à ce qui t'attend. C'est le propre. Avant que ton esprit ne soit réellement détruit pour être purifié et retourner à Dieu, tu vas être réellement la proie des flammes. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas un siècle. Parce qu'un siècle, c'est 100 ans. Dieu parle des siècles et des siècles. Quand il y a une petite lame ou une petite bouteille qui nous tout pique, on dit aïe! On s'est crié parce qu'il y a la douleur là-dedans. Ou bien quand une lame nous déchire, ça brûle, on dit, aïe, aïe, ça brûle. Quand on nous fait une petite opération, on a du mal à marcher. Et puis là, maintenant, on se torture. Ces choses-là, c'est petit. Quand le feu vient et qu'il y a des brindilles qui éclatent, des braises qui éclatent et que ça tombe sur nos peaux, on commence à se chauffer, à trembler et on commence à caresser l'endroit où la petite braise est descendue. Et puis on se pose la question, mais si on tombe dans la grande braise là, mais qu'est-ce que ça va devenir? Des hématomes partout. Ça là, c'est petit. Vis comme tu veux maintenant. Comporte-toi comme tu veux. Tu es libre. Mais il y a une opprobre éternelle. Amen. Et ça là, quand ça va t'attraper, c'est là que tu vas sentir ton odeur. On parle aux frères. Il y en a qui aiment jouer avec leur vie, on ne comprend pas. On joue les carcasses. C'est toi maintenant, tu vas jouer au chat et la souris avec Dieu. Dieu même qui voit dans les lieux secrets, dans les lieux cachés, dans les endroits nocturnes. Toi, une vermine, toi le néant, le rien. C'est toi qui as venu maintenant te cacher devant Dieu pour dire que tu as fait quelque chose. Si tu ne peux pas, de voir réellement ta faiblesse, confesse-toi, parle à Dieu, répands-toi. Et tu dis que tu as des faiblesses, en fait, il t'aide à corriger. Amen. Et qui t'aide à marcher. Amen. C'est pourquoi la grâce est là. Amen. Le Seigneur, il vient. Il dit, mes enfants, je connais vos faiblesses. Je sais qui vous êtes. En dehors de moi, là, il vous est difficile de vivre la parole de Dieu. Comme je le sais. Mais voilà, j'ai mis quelque chose là pour vous. En fait, vous puissiez regarder à cela et vous y accrocher. Parce que cela va vous aider à pouvoir reposer de mes voix. Mais l'homme est orgueilleux et il s'en fout de Dieu. Pourtant, tout est là. Tout a été préparé. Dis-lui seulement que tu es faible. Reconnais que ce que tu es en train de faire est mauvais. Alléluia.
Mets-toi en ordre. Reviens à lui. Et lui va te tenir par la main, il va t'aider à marcher. Mais si tu ne le fais pas, alors ce qui est écrit, ce sera un cas ou l'autre. L'entrée dans la vie éternelle est conditionnée. Les hommes pensent qu'il faut croire en Jésus-Christ et puis tu seras sauvé. Quand tu crois en Jésus-Christ, là, il te donne sa vie parce que c'est sa vie qui est en toi, là, qui va te ramener demain à la vie pour t'amener et être éternellement. Mais si tu crois en lui et puis tu vis n'importe comment, c'est quelle vie qui est en toi? Si la vie de Christ n'est pas en toi et que tu descends dans les méandres, comme on le dit, comme on l'a dit, la désobéissance, cette désobéissance-là va te conduire à le propre éternel. Mais si tu lui fais confiance et que tu t'accroches à lui, alors la vie qu'il a mis en toi, l'obéissance qu'il a mis en toi, va te donner la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi il a donné ces conditions. Celui qui croira et qui sera baptisé. Or, baptisé, ça veut dire quoi? Mourir au principe du monde et de son système. Pour moi, le monde aujourd'hui devient un passé. Le monde maintenant aujourd'hui est derrière moi. Je rentre dans les eaux de baptême, je meurs au plaisir du monde et de son système. Et je réapparais. C'est une nouvelle naissance pour moi. J'apprécie maintenant la vie de Christ, je deviens maintenant une nouvelle créature. Mais comment peux-tu être une nouvelle créature alors que ton comportement est encore comme un comportement païen? On ne comprend pas. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui va pas. Oh bien-aimé, nous devons comprendre cela. Une frère, tu lis, et puis on va arrêter. Nous aurons l'occasion d'avancer au fur et à mesure que le Seigneur nous conduit guidera. Oui. Chapitre 12, verset 3. Oui. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, ce sont les promesses. Ceux-là qui auront été intelligents. Oh, aujourd'hui, le secret de l'intelligence a été donné. L'intelligence, c'est la haine du mal. Amen. C'est le rejet de tout ce qui est mauvais. Amen. Si aujourd'hui tu prends position de Dieu et que tu acceptes de rejeter tout ce qui est mauvais, tu deviens intelligent. Amen. Et voilà la promesse qui accompagneront les intelligents. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui auront été intelligents, qui auront haï le mal, qui auront épousé le bien. Alléluia. Amen. Pour ceux-là, ils le brilleront comme la splendeur du ciel. Quand vous regardez le ciel, les firmament, et quand vous voyez le ciel briller, quand vous voyez le beau ciel apparaître, vous voyez le ciel glorieux. Ceux qui seront intelligents, ceux qui marcheront selon la parole de Dieu, qui haïront le mal, brilleront comme ça. Ça veut dire que le ciel est pour eux. Bien-aimés, quand on regarde le ciel, j'étais là un jour, je suis parti dans le jardin, j'ai m'ennuyé à la maison. Et puis je suis descendu dans le jardin, j'étais derrière nous, pour m'y promener. Et puis j'ai regardé le ciel, la splendeur du ciel. Et quand j'ai regardé, j'ai été épaté. Aïe, aïe, aïe. Il y a des couleurs et des mélanges de couleurs qui n'ont jamais permis à l'homme de voir sur la terre. C'est extraordinaire. Toutes sortes de couleurs. J'ai regardé, j'ai essayé de compter les différentes couleurs bleues. Quand je comptais, je n'avais pas encore fini de compter, j'en ai dénombré déjà plus de 7. 7 types de couleurs bleues. Même les pètes, les livres, regarde ça. Je regarde, ça c'est joli. Non, lui là aussi il est joli. Non, ah, mais voilà un autre encore. De ce mélange ingénieux. Incroyable. Alléluia. Et quand j'ai regardé le coucher du soleil, une couleur rose, bien aimé, on n'a jamais vu ça. Ah, le ciel est beau, hein? Le ciel est blanc. Je comprends pourquoi Satan maintenant est en train de travailler dur pour empêcher les hommes d'y aller. C'est son combat. Depuis qu'il y a été protégé, il ne peut pas rester là-bas, c'est fini. Alors, les enfants de Dieu qui veulent y aller, il veut les empêcher d'y aller.
Mais comme les hommes aussi sont têtus, ils sont tellement abrutis, ils ne comprennent rien. Dieu leur dit, je vous promets des choses incroyables. Ce que toi, tes yeux n'ont jamais vu là, ton oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais passé dans les pensées d'un homme. L'homme le plus savant, le plus intelligent du monde, qui a réfléchi sa pensée. Ce qui n'est jamais passé à sa pensée, Dieu dit, sont des choses qui nous réservent. Amen. Non, on ne fait pas de ça. C'est un curieux. Voilà. Quand le Seigneur te présentait quelque chose de beau, tu dis, Seigneur, mais tu as dit que ce que tu vas nous montrer là, il n'y a jamais de pareil. Mais cela, ça ressemble à, comme on appelle ça, à une maison bien, à un immeuble qu'on a vu à Dubaï. Il dit, bon. Il dit, bon, comme tu as vu à Dubaï, moi je te montrerai encore 10 fois plus que puisque Dubaï. Si tu as vu quelque part, tu me le dis. Et puis encore, il y a un autre qui apparaît. Bien aimé. Les gars de Dubaï, ils continuent de crier. Ils sont en train de faire maintenant. Ils ont donné un nom là, un ensemble d'îles. Ils ont chopati, dragué la mer d'une manière. Il y a plusieurs îlots. Alléluia. Et dans les différents îles, ils décident de faire le globe terrestre en miniature. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de créer là, l'Afrique a son territoire. Quand vous allez partir en France ou bien la France, vous allez partir en Côte d'Ivoire, vous allez voir la carte de la Côte d'Ivoire. Avec réellement les différents pays, petits pays Côte d'Ivoire, tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, la miniature là-bas. Ça dit quoi? Toi, tu es de Côte d'Ivoire, on va exporter ça là-bas. Non, on ne peut pas checker, mais là, si tu n'as pas 1 million ou bien 2 millions, tu ne peux pas manger ton ticket là-bas. Parce que c'est une merveille. Donc quand tu es parti comme ça, on dit la petite boule de la ticket là, c'est 500 000 francs. Mais à Dubaï, aujourd'hui, c'est comme ça, hein? Vous ne comprenez pas au courant. Les hôtels là. Bien aimé, une seule unité, on dit que ça coûte entre 5 millions et 10 millions. Tu vas seulement dormir un beau matin et tu te lèves et puis tu dis, mais oui, je suis où? Un seul jour. Les hommes sont en train de travailler pour les riches. Dieu dit, le monde là, Satan a gâté le monde. Le monde là, c'est à moi. Mais Satan est venu prendre ça, il a arraché à mes enfants. En attendant que j'enlève cela pour redonner à mes enfants l'héritage qu'ils ont arraché, je promets d'autres choses plus glorieuses à mes enfants. Amen. Alors cela là, l'argent du monde entier ne peut pas payer ça. Pause, viens, je te donne gratuitement. Amen. Pour que le riche soit jaloux. Parce que sa richesse n'a pas payé ça. Parce que les riches là, c'est que là où personne ne peut aller là, c'est là où ils veulent partir. Ils sont envieux. Ils sont prétentieux. Dieu dit, comme ils sont envieux et prétentieux, et qu'ils ont la démangeaison des bonnes choses, ils aiment le plaisir plus que Dieu lui-même. Alors, le royaume des cieux là, on va voir s'ils vont y aller. Amen. C'est pourquoi il est plus difficile à un riche. Alléluia. Amen. D'entrer dans le royaume des cieux que de passer par les clous, par le truc qui l'a mis. Vous comprenez? Chercher beaucoup d'argent, c'est bon. Mais beaucoup d'argent aussi peut être un obstacle aussi pour ton entrée. Amen. Quand l'enfant de Dieu cherche l'argent, il cherche l'argent pour être bien, c'est tout. Mais tu ne cherches pas l'argent pour te construire un château ici. Tu vas construire un château de 20 maisons, de 20 chambres. Et puis ce sont les chats, les chiens. Ça c'est la chambre de Papidou. Ça c'est la chambre de Miné. Est-ce que les blancs font? Ils sont fous. Amen. Les hommes dorment dans les papos, dans des maisons en carton. Et puis eux, ils ont des châteaux. Et puis c'est chat et chien qui dorment dedans. C'est que Dieu a mis sous nous là. On prend ça maintenant pour mettre sur ça. Et puis maintenant on dit, bon, voilà, ça c'est le dresseur, le gardien de mon chien. Chien gardien. Et puis quand on dit, c'est toi le gardien de chien, il dit, oui, monsieur, je suis le gardien de chien. Il a rétrogradé jusqu'en bas, mais lui-même, il pense qu'il est intelligent, alors que lui-même, là, pas tel, lui-même mieux que lui. Mais pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Dieu. Voilà aujourd'hui le monde qu'on vit. Un monde insensible. Amen. Que Dieu nous aide. Amen.
On le fait afin que vous compreniez réellement votre position dans le Seigneur, frère. C'est une grâce que Dieu nous donne. Nous allons tenir debout et nous allons prier.